Samedi 26 mars 2022, un candidat prénommé Stephen Di Tordo a amusé le jury de l'émission The Voice. Plein d'humour, le talent qui a finalement choisi l'équipe de Marc Lavoine a beaucoup amusé les coachs avec son humour, après les avoir impressionnés par sa voix. Coach au cours des deux premières saisons, Louis Bertignac avait décidé de laisser derrière lui cette expérience. S'il a aimé avoir plusieurs casquettes, être assis à juger et se retourner dans le fauteuil, comme il l'avait confié en 2019 dans l'émission, l'artiste regrettait de ne pas être totalement libre quant au choix de chansons interprétées par ses talents. On m'a dit, tu sais c'est TF1, c'est pour la ménagère. Mais justement, la ménagère, peut-être qu'elle adorerait les Stones. Peut-être qu'elle ne connaît pas. C'est vrai que j'étais un peu déçue parce que pour moi, mon rôle, c'était de faire découvrir plein de bonnes chansons. Samedi 26 mars 2022, un candidat a tenu à montrer qu'il n'avait pas oublié le coach de la première heure. Stephen Di Tordo a interprété Come Higher de Nirvana, un grand classique sur lequel il s'est lâché. Résultat, Florent Pagny et Marc Lavoine se sont tous les deux retournés. Très amusés par le rocker, les deux artistes ont confirmé à Amel Bentevianney, qui était encore de dos, qu'il était barré. Vous ne l'avez pas vu parce que vous ne vous êtes pas retourné, mais il a fait le show comme s'il y avait 100 000 personnes, a expliqué Florent Pagny. Le show a continué alors que Marc Lavoine lui demandait quel type d'études il avait fait. Moi j'ai un bac plus 5 en droit de la santé. À l'époque, il y avait tous les problèmes de prothèses mammaires, les seins qui éclataient, donc il y avait un business à trouver, a expliqué le candidat face à une Amel Bentilar. Puis vint le moment de choisir entre les deux coachs qui s'étaient retournés. Je vais prendre Louis Bertignac, a-t-il dit. Une blague qui a beaucoup amusé les coachs. Il a finalement choisi Marc Lavoine. De retour en coulisses, le candidat a été accueilli par Nikos Aliaga, mais aussi par quelques techniciens qui œuvrent en coulisses. Et pour cause, le candidat a jeté à terre son micro lors de sa prestation. Le technicien chargé du son l'a donc réprimandé. Stephen Di Tordo lui a répondu en toute détente, « Chique-le et tu me dis s'il y a un problème. » Autour de Nikos Aliaga de s'amuser, on t'enverra la facture.